Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. C'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux, on fait des vidéos, qu'on va penser qu'on est dans le même sac au fait. Voilà. Franchement, tu t'es très bien défendu hier. Mais ce que je vais te dire ici, c'est que c'est comme ça, faut parler à des gens qui n'en valent pas la peine, en fait. Des gens qui ne connaissent pas leur place, qui ne méritent même pas qu'on les accorde respect. Voilà. Parce que moi, comme je te le dis, je savais en toi une personne qui est vraiment bien. Voilà. Je savais en toi une personne qui est vraiment sincère. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, là, le aide-moi à détester. C'est-à-dire que tu es sorti dans un groupe de personnes qui veulent forcément avoir une mauvaise image sur les réseaux sociaux. Donc c'est normal. Tout ce qu'ils font sur toi, c'est normal. Mais si j'ai un conseil à te donner ici, ne rentre même pas dans leur jeu, au fait. Hier, tu as montré leurs limites. Mais moi, je préfère que ça s'arrête là. Parce que c'est ce qu'ils attendent de toi. Voilà. C'est ce qu'ils attendent de toi. Mais moi, je pense que du moment que, aux yeux de tout le monde, tu as prévenu tout le monde et que, au cas où ça commence à dégénérer et tout, toi, tu pourras sortir pour venir essayer de montrer de quoi tu es capable. Ne t'inquiète pas. Nous, on est là. Voilà. Nous, on est là. Nous qui t'aimons vraiment. Voilà. Et puis, sache que on a rien dans notre cœur contre toi, on ne fait pas semblant avec toi. Nous qui t'aimons vraiment, nous on est là. Voilà, parce qu'on ne va pas s'arrêter aussi, on ne va pas s'asseoir là. Et que des gens, on se permet de dire tout et n'importe quoi sur toi. Et que parce que pour eux, les réseaux sociaux, c'est leur centre de gravité. Et que nous, on va s'asseoir, on va regarder. Non, on ne va pas regarder. Parce que parmi elles, il y a beaucoup que je guette dedans. Voilà, donc je peux prendre ça même là. Pour faire mon lit couché. Parce que Chanel T, là, je suis en train de voir si elle va prendre la première place, Titine va prendre la deuxième place, ou Titine va prendre la première place, elle va prendre la deuxième place. Donc vous connaissez l'affaire là. Parce que ce qui se passe là, c'est une méchanceté. Une personne a décidé de ne plus marcher avec vous. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous créez des camps de concentration pour essayer de venir parler, pour venir toujours, toujours rabaisser la fille, toujours parler de la fille. Mais c'est normal qu'elle vienne se défendre. Mais elle se défend avec des paroles même que vous-même, vous n'entendez pas. Comme Emmanuel Keïta le disait l'autre fois, vous ne parlez pas le même langage Chanel T. Ce que tu fais là, ils n'ont rien compris. C'est tout ce que tu as dit hier là, ils n'ont rien compris. Il faut que ça soit clair dans ta tête. Voilà. Tu devais venir parler un français de rue à Abidjan pour que ça soit compris de tout. Sinon, ce que tu es venu faire hier là, elles n'ont rien compris. Voilà. Elles n'ont rien compris. C'est pour ça que je vois des gens en train de se taguer. Non, voilà, moi je suis X, je suis Y, je suis I, je suis Y. Dans Clash là, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de son ami. Il n'y a pas quelqu'un qui est assis sur son ami. Voilà, est-ce que vous comprenez? Dans Clash, il n'y a pas quelqu'un qui est assis sur son ami. Et puis hier, je vois, tu te plains des histoires de. Tu as parlé d'un enfant, patati patata. Toi, tu as parlé, toi, ensuite tes vidéos, tu n'as jamais mentionné le nom d'un enfant quelconque dans tes vidéos et tout. Tu fais ton blog, tu es là, tu. Mais les gens, même. Ce qui me fait mal, c'est que quand ça va commencer, là, celle qui a né André Fanfare, là, elle, je ne vais pas la rater. Parce qu'elle, il n'y a pas plus hypocrite que elle sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas plus méchante femme sur les réseaux sociaux que elle. Moi, mon fils a été traité d'enfant prématuré sur les réseaux sociaux. Elle va dire qu'avec ses deux gros yeux, là, elle n'a pas vu. Son nez qui aspire tout, là, elle n'a rien vu. Hein. Mon fils a été traité d'enfant prématuré sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas vu ça. C'est pour toi, là, elle a vu parce que elle a peur, au fait. Mais moi, pour moi, là, je te dis que ça va se régler comme ça peut se régler. Je ne réponds plus à cette personne. Je ne parle plus à cette personne. Mais du moment qu'elle a pris mon fils pour venir exposer ça sur les réseaux sociaux, eux le traiter d'enfant prématuré, moi je suis sûr que la personne aura le couille le jour où on se verra. Voilà. On fait des clashs, on a des limites. Hein. Les enfants, on ne les mêle jamais. Si vous remarquez très bien, quand on se clash, on ne mêle jamais les enfants. Mais quand quelqu'un se lève pour traiter ton enfant de prématuré, c'est que la personne là est prête. Est prêt que tu lui proposes tout, que ce soit la vie ou la mort, la personne est prête. Voilà. Donc du coup,
Chanel, si vraiment tu sais que ce truc-là, ça vaut pas la peine, là, rentre même pas dedans. Rentre même pas dedans. Et puis je dis, moi, je vais te faire plaisir. Le gars qui est à Abidjan, là, celui qui fait vidéo matin, midi, soir, parler de nous, là, lui, je vais régler son cas. Qu'il pleut ou il neige. Qu'il pleut ou il neige. Le jour, je vais l'attraper. Je vais régler son cas. Lui, je vais l'alimenter. Je vais lui donner beaucoup d'électricité. Là, je préviens tout le monde ici. Hein. Vous connaissez un gars sur les réseaux sociaux. Il passe son temps à faire vidéo sur nous. On ne lui répond jamais. On ne lui parle jamais. Il insulte. Il insulte. Je ne sais pas, il travaille à la solde de qui. Qui le paye. Quelle visibilité il cherche. Mais le jour que moi et lui, on se croise. Le jour où moi et lui, on se croise. Je jure. Lui, je vais faire sa peau. Donc, s'il sait que je suis à Abidjan. S'il sait que moi, l'unique, je suis à Abidjan. Qui cherche d'autres endroits parce que tout ce qu'il est en train de faire pour ces femmes là, moi là, il a le montré que réseaux sociaux là, ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait à Abidjan là-bas. Tu es devenu sac à main des femmes, non? Tu parles pour elles, elles n'ont pas bouche, c'est toi qui parles. Mais quand toi, tu es attrapé à Abidjan là, wallah, tu vas répéter, tu vas réciter tout ce que j'entends de dire là parce que toutes tes vidéos sur l'unique là, j'ai tout gardé et ça sera en live parce que. Tu ne vas pas parler comme ça et puis le jour où tu vas me voir, tu vas bégayer. Je ne vais pas accepter. Faut écrivez ça quelque part, votre groupe là. Le jour où tu vas me voir là, il ne faut pas bégayer parce que moi, l'unique, je ne veux pas accepter. Je ne veux pas accepter du tout. Ça fait 7 mois, tu fais vidéo, je dis rien. Mais le jour où je t'attrape, tu vas payer pour le compte de Chanel T. Tu vas payer pour le compte de toutes tes vieilles mères là. Tu vas payer pour le compte de tous ceux que tu insultes sur les réseaux sociaux. Tu vas payer pour leur compte. Il faut écrire ça quelque part. Peut-être que ça sera le premier jour où tu vas enlever les lunettes là dans tes yeux. Les lunettes que tu prends pour faire vidéo là. Ça sera le premier jour où tu vas enlever. Parce que comme moi je cause avec mon ami garçon, je n'accepte pas que les lunettes soient dans ses yeux. J'aime qu'on me fixe dans les yeux pour me parler. Est-ce que tu comprends? Peut-être que ça sera le premier jour où les lunettes vont quitter dans tes yeux. Mais allons pas à pas. Allons pas à pas. Les choses vont arriver. Vous savez, c'est qui? Je ne vais pas mentionner son nom ici parce que pour moi, franchement, ça ne veut rien dire. Il ne veut rien dire. Voilà. Quand quelqu'un, vous voyez quelqu'un beaucoup parler sur les réseaux sociaux et que vous savez que, voilà, ça ne veut rien dire. Voilà, l'histoire Samuel Eto'o. On va beaucoup rigoler ce soir. L'histoire Samuel Eto'o. Ça met des têtes de mort déjà. Pomper des cœurs, pomper des cœurs. Ils veulent bloquer la vidéo. Pomper des cœurs. Je vous le jure, ça sera en live. Comme il aime bien faire live pour dire l'unique, le jeu t'attrape, il a été frappé, il a été boxé là. Ça sera en live. Ah. L'histoire Samuel Eto'o là, moi j'aimerais dire aux Ivoiriens. Aujourd'hui là, les gens veulent qu'on parle de Samuel Eto'o, ouais, il a trompé sa femme et tout. Voilà, Samuel Eto'o n'est pas fidèle. Moi le problème que j'ai avec les pauvres là, voilà, le problème que j'ai avec des gens qui ne connaissent même pas la valeur d'un couple. Et puis qui vous dit que les hommes là, les hommes sont parfaits? Qui vous dit que vos hommes que vous avez chez vous là, comme Samuel Eto'o là, c'est pas ce que vous avez à la maison? Parce que quand vous trouvez l'affaire de quelqu'un sur les réseaux sociaux pour tout faire pour nuire ou même pour créer des noises entre lui et sa femme, vous commencez à relayer les informations fort. Comme ça, là, ça va créer des problèmes dans le couple Samuel Eto'o. Vous commencez à parler de ça. Mais posons-nous la question de savoir, parmi vous les filles, là, parmi vous les femmes, là, parce que quand tu t'assois pour dire que non, lui, là, c'est mon mari, là, le mot mari, là, c'est que le gars, il a mis bague, tu vois. On ne s'assoit pas dans le vide pour dire que non, lui, là, c'est mon mari. Mais parmi vous-même déjà, là, qui est-ce qui est légal dans le foyer qu'il vit? Vous êtes combien à être légal dans le foyer que vous viviez dedans? Vous êtes combien? Non, il n'y a pas beaucoup. Peut-être même où tu es assise là, ils sont en train de tromper quelqu'un. Non, ils sont en train de tromper ta camarade femme à cause de toi. Mais toi, tu penses que tu es assise dans le foyer. Mais quand vous trouvez l'affaire des gens, non, Samuel Eto'o, il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit de faire quoi? Est-ce que vous avez déjà vu Georgette broncher?
Vous qui prenez parole des gens et puis vous voulez engloutir ça là. Est-ce que vous avez déjà vu Georgette branchée dans les histoires de Samuel Eto'o? Elle sait que son mari là, quel que soit Alpha, il va voir dehors. Mais vous avez en face de vous une femme compétente, une femme qui est reconnue devant le pape. C'est pas devant le maire. Elle est reconnue devant le pape. Et elle a mis une laisse sur le cou de Samuel Eto'o. Mais vous-même, jusqu'à preuve du contraire, vous êtes en foyer. Vous ne connaissez même pas votre position. Vous ne savez même pas si vous êtes première ou deuxième. Parce que le fait de vivre dans la maison un garçon, là, ça ne fait pas de toi la titulaire. Écrit ça là, commencez à retenir. Le fait de vivre dans la maison un garçon, ça ne fait pas de toi la titulaire. Ma chérie, tu es dans la maison à lui et puis tu es sur le banc. Tu es dans la maison à lui. Tu vis H24 sur le même toit à lui. Mais tu es sur le banc. Et puis lui, là, il a la titulaire qui assiste dehors là-bas. Où il paye des maisons, des villas dorées pour elle. Qui, son mari, ne l'a jamais trompé sur les rues? En tout cas, dans sa vie qu'elle mène là. Qui ne s'est jamais fait tromper? Et puis, quand vous voyez pour les autres, là, Yeri, il y a un moment donné, là, commencez à penser à votre vie. Vos vies même, là, commencez à regarder. Parce que quand vous voyez les mamans comme Georgette et tout, là, qui, elles s'asseyent, et puis, quels que soient les dérapages de leur mari, là, elles ne parlent pas dedans. Là. Elles sont là, elles sont calmes, elles gèrent les trucs, là. C'est parce qu'elles ont compris que la vie, là, c'est pas les bouches des gens qui vont régler les problèmes de couple. Voilà, c'est pas les vidéos là qui vont régler. Et puis cette fille même qui s'adonne à ce jeu là pour vouloir salir l'image de Samuel Eto'o là. Mais ça c'est des petits trucs. Comment toi, une Tisa, tu as eu la chance, tu as eu l'ouverture d'avoir Samuel Eto'o avec toi. Et puis tu te permets de balancer. Or pourtant tu sais très bien que le gars est marié. Toi, une Tisa. C'est-à-dire que les filles même qui sont en train de faire ton palabre aujourd'hui, là. Les filles qui sont en train de plébisciter aujourd'hui pour dire non que, Samuel Eto'o, pourquoi il peut faire ça? Pourquoi il peut... Samuel Eto'o, là, toutes les filles qui ont crié sur les réseaux sociaux, là, il n'y a pas une, il va draguer dedans, puis il va taper poteau. Celles qui disent pourquoi il trompe sa femme, là. Il n'y a pas une, il va draguer dedans, et puis il va taper poteau. Ça n'existe pas. Le jour même Samuel Eto'o, elles seront prêtes même à ne même pas penser à Georgette Eto'o. Mais comme ce n'est pas elle, donc non, Samuel Eto'o, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il ne respecte pas la dame? Pourquoi il ne respecte pas la dame? Pourquoi il ne fait pas ça? Alors que vous-même dans votre couple, là, on vous trompe matin, midi, soir. Ce n'est pas le nouveau. Aujourd'hui, là, Georgette, là, hein, quel que soit Alpha, là, elle ne peut jamais laisser son mari Samuel Eto'o. Ce n'est pas vos vidéos aussi là. Qui vont faire que ça va impacter sur sa vie, ça va faire que elle va regarder son mari et puis elle va dire que entre nous là c'est bon. Parce qu'elle sait que les hommes ne sont pas parfaits. Et les riches là, ceux qui ont l'argent là, ils savent comment ils gèrent les histoires de tromperie. C'est pauvres qui prennent les histoires de tromperie pour faire tapage. Oui, c'est les pauvres qui prennent les histoires de tromperie pour faire tapage. Quand tu es déjà assise dans un couple, et que tu sais que les fondations qu'il y a déjà bâties, là. Ma chère, ton mari met ça en trompe, puis toi, tu assises, tu le regardes. Mais comme vous-même, vous ne gagnez pas à manger, là. Les gens qui n'arrivent pas à voir les trois repas par jour, là. Les histoires de jalousie, c'est pire. Les histoires de, non, pourquoi tu m'as trompé? Est-ce que vous voyez Georgette parler? Georgette, là, elle-même qui est la concernée, vous l'avez déjà vu, même un simple poste, vous l'avez vu, déjà vu dedans. Parce qu'elle sait que là, elle est certifiée. Où elle est assise là. C'est pas maintenant elle va bouger. Mais vous n'êtes pas quelque part. Vous n'êtes pas assise quelque part. C'est vous rentrez dans les discours de riches. Toi-même là, comme il le dit toujours, là, le gars même qui sort avec toi là, même tes parents, il n'a pas encore vu. Le gars même qui te grêle là, même tes parents, il ne les a pas encore vus. Même le jour, même faire semblant pour dire, ah, Coco, allons passer devant la cour de tes parents. Ce n'est même pas aller les voir, hein. Allons passer devant leur cour. Il n'a pas encore fait ça. C'est-à-dire que toi-même, là, où tu es là, ton derrière devant, c'est grillé comme momie. Il peut te laisser du jour au lendemain. Il peut te tromper comme il veut. Tu n'es rien devant lui.
Toi, tu penses pas à ça. C'est affaire de Samuel Eto'o que pourquoi il a trompé sa femme. Il est mauvais. Mais toi, on t'a jamais trompé. Toi, on compte toi depuis on t'a connu là. Tu es toujours dans un foyer puis tu es resté intact. On t'a jamais trompé. Hein? Vous rentrez dans des histoires, après vous vous asseyez pour dire non que vraiment, voilà, ma vie est mélangée. Non, ta vie n'est pas mélangée. Parce que la vie, maman Georgette, là, hein, tu vois la vie qu'elle mène là. Hein? Aujourd'hui, là, elle peut se permettre de faire tout. Elle peut s'acheter tout grâce à Samuel Eto'o. Elle peut faire tout, elle peut s'acheter tout. Parce que malgré les dérapages de son mari, là, elle a su conserver, en tout cas, le foyer pendant combien d'années? Elle a su gérer. Elle a su suivre son mari. Ce n'est pas comme vous, là. Quand il y a petite tromperie, vous voulez qu'on monte sur les réseaux sociaux que non, il y a eu trop de tromperie. Le gars, il a trop sali sa femme. Non. Elle sait que dans un couple, il y a tout ça qui va avec. Mais toi, malgré qu'on ne te nourrit pas déjà, et que déjà on te donne transport 2000 pour aller à la maison. Voilà. Transport 2000. L'an de marché, même si c'est trop là, c'est 5000. Voilà. Et puis quand tu prends 5000 là, c'est nourriture de 2 jours. On te fait ça. Et puis c'est toi qui viens parler dans ton péril de Samuel Eto'o. Parce que pour toi, ça te fait trop mal. Pour toi, Samuel Eto'o, il a trop foiré. Mais vous-même là, faites-vous respecter. Faites-vous respecter. Ou bien, ma chérie, il faut connaître le mariage d'abord. Le jour où tu vas connaître le mariage là, c'est le jour là, tu peux parler dans les histoires de Samuel Eto'o. Le jour où tu vas connaître le mariage, c'est le jour là, tu pourras critiquer le couple de. Sinon, jusqu'à preuve du contraire, ma chérie, tu n'es pas encore titulaire. Jusqu'à où tu es assise là, faut regarder où tu me regardes là, de la manière que tu es assise et puis tu me regardes là. Faut regarder le monsieur là. Et puis, il faut lui demander où tu me parles là. Faut lui demander, Coco, tu me maries quand? Et puis, faut écouter sa réponse. Où tu es assise et puis tu es en train de me regarder là. Faut demander au gars là. Faut lui demander, tu me maries quand? Et puis, tu verras si c'est toi qui es là, titulaire ou bien c'est toi qui es sur le banc. C'est toi là. Il n'y a pas eu projet de ça. On ne parle pas de sa famille. Partagez la vidéo. Elles n'aiment pas entendre la vérité. Elles aiment bien quand il est venu dire, non, Georgette, Georgette, là, ce n'est pas votre camarade. Quand elle s'assoit dans l'avion, là, où elle s'assoit, là, c'est caution, je sais pas, c'est caution de ta maison, là. Quand elle est dans l'avion, là, où elle s'assoit, là, c'est caution de ta maison, plus, je ne sais pas, au moins 10, 20 mois ou bien 30 mois d'avance. Georgette, ce n'est pas votre camarade. Donc, ce n'est pas vos conneries de vouloir faire sortir les vidéos. C'est la tisa, là, qui a perdu. Elle pouvait même s'arranger, Georgette, pour moi, un peu. Mais Georgette, là, elle est arrivée à un stade où, là, elle ne doit pas courir derrière Eto'o. C'est Eto'o qui doit lui courir derrière elle. Parce qu'elle a attaché l'aise sur coup d'Eto'o. Eto'o s'amuse actuellement. Si Georgette a demandé le divorce, là, ce qui est arrivé est beau, là, ça, pour lui-même, va être pire. Parce que Ivoirienne, là, Ivoirienne, les femmes Ivoiriennes qui sont mariées au Babatiel, elles ne parlent pas beaucoup. Et les familles, elles partagent la vidéo, donc, partagez. Les femmes ivoiriennes qui sont mariées au Bachelet, elles ne parlent pas beaucoup. Ivoiriennes supportent. Ivoiriennes, elles vont supporter. Elles vont supporter. Mais le jour où Ivoirienne te dit, niet, moi là, entre toi et moi, c'est fini là. Le jour où Georgette va dire, entre moi et toi, entre moi et toi, c'est fini là. C'est qui est arrivé au Eboué là. Et puis Eboué était dans les rues ici là. Ça, pour lui, ça sera petit. Pour Eto'o là, vous allez voir ça ici. Mais si Georgette, jusqu'à preuve de contraire, là, elle est son mari, malgré les critiques, là, c'est pour vous dire qu'il y a femme et puis il y a femme. Voilà. Il y a femme, malgré qu'elle mange 1 milliard de son mari. Hein. Et puis, là, quel que soit ce qui se passe à la maison, là, elle cause à son mari. Elle fait comprendre à son mari que non, on a des enfants maintenant. On est mariés légalement. Il faut me respecter. Comme ça, je vais te respecter. Mais ce n'est pas toi, on te donne 2000. 2000 transports. Toi-même, là, le gars même là. Le gars même là, jusqu'à preuve du contraire, il te mougou même là. Tu ne sais même pas pourquoi il te mougou. C'est-à-dire que tu le gays même, tu ne sais pas pourquoi tu le gays. Il te mougou, tu ne sais pas pourquoi il te mougou. C'est-à-dire que tu t'en vas le donner, puis toi-même après, tu te poses des questions. Lui là même, il gré, lui, pourquoi même? Lui là même là. Mais demain matin encore, tu es là-bas, tu t'en vas le donner. C'est-à-dire que tu sais qu'il n'y a pas à venir là-bas. Hein?
Mais tu t'en as le donné quand même. Et puis tu es là, tu t'assois, tu dis, hé, lui là même là, dans le fait de lui là même là, demain matin quand tu t'en as le donné, alors que quand tu quittes là-bas là, si tu as trop trop donné ces 1000 francs, toi tu viens parler dans l'histoire de Georgette. Aïe, toi aussi tu t'assois, tu veux parler dans l'histoire de Georgette. Pendant qu'on t'appelle comment? Toi tu veux qu'on te dise quoi? Que non, Georgette même là, elle est trop calme. Et toi la trompe même là, elle dit rien. Georgette même là, elle est trop calme. Hé, hey, ma chère, toi tu dois dans. Hé, hey, toi depuis toi tu viens le moro là, vous êtes dans le studio. Tu es dans le studio. Dans le même studio là. Quand tu t'en te balades ou même tu t'en travailles, tu t'en cherches Bara là. Il te trompe même pas même à une fille comme et toi a trompé là. Tu vois les petites filles qui vendent les oranges au quartier, les bananes au quartier, arachides grillées là. Quand il t'en va vendre au marché là, c'est ça là, il prend et puis il tue ça dans ta propre maison. C'est-à-dire que lui là, il te trompe même pas à la qualité, il te trompe à la quantité. Ça te dérange pas. Hein? Et puis il te trompe, tu le vois, tu l'attrapes dedans, puis quand tu parles, il te frappe main dessus. Et puis tu es là, tu dis, hé, c'est amour. Il est parti où? C'est amour. Si je ne suis pas fan de lui, là, est-ce que moi, je peux supporter ça? Voilà, c'est toi, mais regarde dans quoi tu es. Regarde dans toi-même ta vie, dans quoi tu es. Ta vie même, là, c'est toi-même, les pasteurs ne peuvent plus prier sur toi. Les pasteurs ne peuvent plus rien faire dans ta vie. Ta vie est Zinoa. C'est comme Mami, derrière, devant, grillé. Toi, tu viens parler de maman Georgette. Est-ce que vous êtes camarades? Est-ce que vous êtes camarades? Georgette est tous là. Si c'est rien, c'est 100 millions. Toi, tu tous là. On prend Mauve là, puis on va les jeter. Vous n'aimez pas que ça contamine quelqu'un. Georgette est fait, c'est 100 millions. Toi, tu tous, toi-même, Mauve là, vous tous, on prend, sans vous jeter qui n'est pas là-bas. Ton moro, il a fini à jouer dame au quartier. Toujours en train de jouer l'auto. Peu mu. Il est tout dans tous les sales trucs. Tata vient t'asseoir sur les réseaux sociaux. Non, et toi même là. Il respecte pas la dame là. Hein? Et toi même là. Sa gamme est sale. Hein? Hein? Les gammes sont sales, mais ils ne sont pas piétons. Passe pas le temps à marcher dans Abidjan le matin, midi, soir. Les gammes sont sales, mais en France, ici, là, ils ne vont pas à la CAF. Oui. Sa gamme est sale. Hein? Mais sa femme ne va jamais aller à la CAF. Sa femme Abidjan, là, elle n'est pas piéton. Toi-même, parfois, tu marches par l'eau au plateau. Toi, tu es femme. Toi, tu veux critiquer Georgette, mais tu marches par l'eau au plateau. Tellement, tu n'as pas 100 francs pour monter dans le pinasse. Et puis, tu vieux garçon en plus, hein. Tu vieux garçon. Et puis, quand tu vois garçon là, même là, son modèle, même là. Son modèle. Des fois, même vous êtes au quartier, mais puis vous voyez les filles en train de pleurer pour garçon, même là. Quand tu tournes ta tête, puis tu vois le gars, même pour qui la fille est en train de pleurer. Qui m'a trompé, il ne peut pas laisser. Lui, là, il a sacrifié ma vie pour lui. J'ai sacrifié. Tu as sacrifié ta vie pour qui, mon frère? Un cabri ambulant, mon frère. Un mouton, mon frère. Toi, tu parles de l'affaire de Georgette alors que tu as sacrifié ta vie à un plaisantin qui a dit pas son nom, mon frère. Lui, là, il va te tromper, mais tu as t'asseoir, tu as les regarder. Tellement, tu ne sais même pas ce qu'il t'a dit. Jésus. Non, vraiment. Des fois, il voit le discours des femmes sur les réseaux sociaux. Il a envie de pleurer, quoi. C'est-à-dire que les femmes, elles oublient même eux-mêmes leurs problèmes. Vous oubliez vos problèmes, c'est de Georgette, vous voulez parler. Tellement vous avez fait parler là, tellement vous avez fait trop de conneries, non. La maman m'a posté une photo où elle est assise en business class, mon frère. Business class dorée. Vous savez ce qu'ils avaient dit? Elle est assise dans l'avion, non. Mais tu as l'impression qu'elle est assise dans un champ d'or. Business class dorée. Mais toi, le jour où tu t'assois dans business class dorée, là, c'est que c'est un baka jaune. Baka jaune. Le jour où tu. Baka jaune. Toi, tu luttes Baka, puis tu viens me parler dans l'affaire de Georgette. Jean, tu aimes trop Congo, ça. Tu aimes trop Affairage. Toi, tu luttes Baka.
Tata venu parler d'affaires de Georgette, alors que la dame, elle, quand elle s'assoit dans business class, là, c'est doré. Doré. C'est-à-dire que tu peux dormir là-bas. Tu peux tout faire toute ta vie là-bas. Tu vois ce que toi et ton mari, vous dépensez chaque mois, là. Hein? Il n'y a pas envie de te... On va ne faire Congo ça, là. Respectez-vous, hein. Je vous dis ouvertement. On va ne parler dans des affaires qui vous dépassent, là. Respectez-vous. Tu vois dans quoi? Tu vois dans quoi toi et ton mari? L'an que vous dépensez chaque mois pour moi, là. Hein? Tu vois le chien de tout, là, non? Son chien. Son chien, là. Si on te dit son repas par jour, le prix de son repas par jour, tu vas crier, mon frère. Yeah. On veut bien faire Congo ça. Hein. On veut bien s'affairer. Hein. Mais hein, vous-même là, respectez-vous, les gens vont vous respecter. Et toi, tromper sa femme, et puis quoi? Ma chérie, moi, je préfère que tu sois avec un riche. Je préfère que tu sois avec quelqu'un bien, comme les Samuel Eto'o et les Didier Drogba. Je te le souhaite abondamment. Parce que nous, là, nous que tu vois là, nous, la génération Mougoupin, là, nous, on s'amuse pas, hein. Voilà, génération Mougoupin. Nous, on s'amuse pas. Nous, on n'est pas dans vos rêves d'Hollywood, là. Vos rêves d'Hollywood, vous êtes, vous voyez dans les films indiens, là. Nous, on n'est pas dedans. Si tu as eu ton Samuel Eto'o, même s'il te trompe, là, hé, chut, va doucement. La vie, là, c'est quand tu commences à vieillir que tu prends connaissance de la vie. Sinon, Eto'o, il est beaucoup jeune. Voilà. Maintenant, si tu penses que tu as eu ton Eto'o, il te trompe trop, que tu es venu chez le Boyin de Mougoupin, nous, on est là. Nous, on te mougoupie à pas venir derrière. Voilà. C'est-à-dire que tu nous guépis, tu te poses la question de savoir, ah, lui, là, mais il le guépit pourquoi même? Pendant qu'il est en train de penser, moi, il a pris mon un coup, deux coups, trois coups, quatre coups, cinq coups. Où tu as pensé, où tu as bien. Il a déjà enlevé tout dans toi. Nous, on est là. Hein? Donc là, asseyez-vous là. Parce que pauvre, pauvre, son affaire de jalousie. Pauvre, son affaire de jalousie. Tu n'as rien, tu ne manges pas, c'est toi qui es jalouse. Toi, tu souffres. Tu n'arrives même pas à t'en sortir. C'est toi qui es jalouse. Tu es jalouse de quoi? Que non, le gars m'a trompé, il peut pas laisser. C'est trop facile. La vie là, c'est pas comme ça. Il t'a trompé, tu peux pas laisser. Faut pas laisser. Faut pas laisser. Il t'a trompé, tu peux pas laisser. Faut pas laisser. Alors malgré ça encore là, c'est toi qui t'en travaux au marché pour ici en Bengui même là. Quand il voit les gens parler d'affaires des Samuel Eto'o, ça me fait trop mal. Des femmes elles sont ici, elles nourrissent garçons. Tellement elles sont complexées. Elles sont ici, en Europe, ici, elles nourrissent garçons. C'est-à-dire, paient maison, paient courant, paient loyer, paient tout. Le gars, il vit dedans, gratuit. Tellement elle a peur, elle ne se fait pas confiance. Ici, femme nourrit garçon. Ici, prix des garçons, là, si on te dit, là, tu vas attraper ta tête. Mais le gars même là, quand il m'a dit pardon maman, si c'est rien là, c'est les 100 000 euros. Ici en Bengue, il y a femme qui nourrit garçon. Il y a femme qui s'assoit puis elle nourrit garçon. Le gars, il fait rien de ses 10 doigts. Toi, comme ça, tu as venu te comparer à Georgette. Toi aussi, tu as venu faire Congo ça dans l'affaire de Georgette. Aïe, on a qu'à se respecter ça. On a qu'à se prendre au sérieux. On a qu'à se prendre au sérieux. Je ne suis pas venu pour crier sur vous le soir là. Voilà, pas comme je vous ai dit là. Il y a des cas malades. Voilà, je ne suis pas venu pour crier sur vous. Mais c'est pour vous dire simplement que moi, l'unique là, je vous aime tellement que quand je vous vois vous mêler des affaires qui vous dépassent là, ça me fait trop mal. Ça me fait trop mal. Parce que quand on parle un peu seulement là, quand on dit fin du mois là, vous êtes tous. Mon fils, tu as tout dit. Elles n'ont qu'à laisser une autre récupérer vite fait. Bien fait. Elles sont là, là. Si Samuel Eto'o vient les draguer, là, elles ne vont même pas penser que maman Georgette Eto'o même existe. Vous les voyez, là, celles qui parlent, là. Non, il n'a pas le droit. Eto'o même les prend pour qui même?
Il va tromper Georgette parce qu'elle dit rien. Vous-même là, s'il vient vous draguer là, vous n'allez même pas penser que la maman elle existe. Vous n'allez même pas penser. Toi et toi, garer voiture devant toi. Il va dire ma chérie. Il va même pas dire je suis fan de toi. Tu vas dire voilà mon, prends-moi. Prends-moi. Fais ce que tu veux. On ne connaît pas ça. On ne connaît pas ça. Et puis ça, c'est Samuel Eto'o. Hein. Les petits joueurs, là, les petits footballeurs dans les petits clubs de deuxième division, troisième division, là. Quand ils arrivent en vacances au quartier comme ça, ils peuvent mougou toutes les filles du quartier. Il n'est même pas en première division. C'est-à-dire, il n'a même pas carrière de Samuel Eto'o. Mais quand il arrive en vacances à Abidjan, là, il peut mougou toutes les filles du quartier. Il ne va même pas commencer par les filles du quartier. Il va commencer à Paris ici d'abord. À Paris, là. Il joue deuxième division, même pas troisième division. Par exemple, l'ont vu à la télé, là. Il va mougou toutes les filles de Paris d'abord. Avant de descendre, quand il arrive à Abidjan, là, ça, il commence de l'aéroport jusqu'à rentrer chez lui à la maison. Il n'y a pas une qui lui dit non. Il n'y a pas une. Elles n'ont pas cœur. À plus forte raison, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, il te dra... Parmi vous, là, qui peut s'arrêter pour dire, moi, je vais dire non à Samuel Eto'o, si c'est pas sur Internet. Tu vois Samuel Eto'o fa comme ça. Mais tu as dit que maman Georgette, là même, là, elle est malade ou bien. La bonne chère. Là, un cadeau. Elle est malade. Toi-même, tu as trompé quand tu allais manquer de respect à maman Georgette. Donc, ce n'est pas pour la fille là qui a vous fait mal. On se connaît. On se connaît. Kader Keïta même là. Combien de filles dans Abidjan là qui ont donné à Kader Keïta gratuitement? Il y a des filles même qui ont trompé, qui ont laissé leur mari pour aller donner à Kader Keïta. Hôtel Ibis au plateau là. Hôtel Ibis au plateau. Hôtel. Est-ce que c'est Hôtel Ibis? Non, c'est Accor Arena. Hôtel Accor Arena là, au plateau. Quand les joueurs là viennent au pays là, c'est là-bas et tous ils s'en vont. Mais à partir de 19h comme ça là, faut aller là-bas, tu vas voir le nombre de filles qui est devant la cour, devant l'hôtel. Le nombre de filles. Je sais pas si elles font tour à tour, hein. Mais le nombre de filles qui patientent là. Quand ils arrivent même dans un bar comme ça là, il dit, si le footballeur rentre dans un bar, que tu as ton mousseau là, il dit, ton habit que tu as porté là, faut enlever non. Et puis tu l'attaches à toi. Footballeur rentre dans un bar, que ton mousseau à côté de toi, ton habit que tu as porté. Mon frère, faut rester torse nu, faut attacher ton mousseau et ton habit. Faut l'attacher fort. On dit, caissier vient d'entrer. Za vient d'entrer. Et puis toi, Naloman, toi, tu es assis. Toi-même là. Même dans ton quartier, on sait même pas si tu habites dans ton propre quartier. Et puis on te dit, caissier vient d'entrer dans le bar. Et puis toi, tu es assis avec ta copine. Pendant que là, tu es dans le syndicat, tu donnes 2000. Mais mon frère. Ta copine ne va même plus te regarder. Elle va fixer le gars jusqu'à. Devant toi, qu'est-ce qu'il va venir dire, ma chérie? Tu es zo, il te voit. Si elle t'a regardé encore, à plus forte raison, Samuel Eto'o. Quelle fille qui peut résister devant Samuel Eto'o? Quelle fille? Surtout, ce n'est pas les gros qui ont faim à Abidjan là-bas là, qui peuvent résister. Ce n'est pas mes tantes qu'ils voient à Paris ici, là, qui ont fini à faire rang devant CAF, là. Et on voit Samuel Eto'o, puis on dit non, lui, là, il m'a dragué, il a refusé. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Sortez-moi son modèle, il voit. Il n'y a pas. Même Boyden, Emma Louès, là, demandez à Nathalie Croix. Il n'y a pas. Donc vous serez les premiers, même, là, à dire, maman Josette, là, mais elle est bête, même. Et tout même là, faut plus partir chez elle. C'est là, mais c'est qui? Elle est vieille même. Donc comme c'est la petite fille là qui est dans son bonheur là, et tout, il a trop trompé. On n'aime pas ça. Hein? On n'aime pas ça. Bon, mais je vais vous expliquer une anecdote même. Il y a mon petit qui a signé dans un club en Suisse là. Un club perdu. Hein? Quand il était au quartier, il avait 500 amis. Et puis tout était garçon. Quand il était au quartier, là,
Il avait 500 amis, tout était garçon. Mais quand il a scié dans le club, là, en moins de un mois, il a 5000 amis. Toutes les femmes. Il est vilain. Hein? Il est très moche. Mais si tu vois les messages qu'il reçoit des filles, là, non, tu es trop beau. Surtout quand tu fais crochet comme ça, il a envie de mourir. Voilà, et si tu viens là, il faut venir avec ton maillot et le porter aussi. Alors que lui-même, là, quand tu lui dis il est beau même, là, il te dit que toi, tu es mauvais même, toi, tu te moques de lui. Quand tu lui dis toi, tu es joli, il dit non, arrête ça. Tu peux m'insulter, tu peux me dire tout. Mais il ne faut pas me dire que je suis joli. Quelqu'un qui ressemble à Gori qui est en train de casser graines. Toi, tu allais dire que lui, il est joli. Ben, il joue en France et il joue en Suisse. Et les filles, là, lui disent qu'il est joli. Et actuellement, là, il doit prendre ses vacances. Il a déjà programmé. Il doit voir telle à quelle heure, tel temps. Ben, elles sont en train de lui dire qu'il est joli. Le jour même, il va en Suisse, là. Il va vous montrer. Il prend photo à lui. Il m'assoit à lui comme ça, puis il prend photo. Il va vous montrer l'homme que les filles d'Abidjan disent qu'il est trop joli, là. C'est son salaire qui parle. Tiens. Si c'est pas parce que chose que truc là. Si c'est pas parce que chose que truc là. C'est dire les pères avoir José. En gros, c'est respecté, hein. Si c'est pas parce que chose que truc là. C'est dire là. Il peut avoir José. C'est ballon, l'un des ballons. José a vu ça en Michael Jackson. Sinon, comme Seredi, là, il y a beaucoup à Abidjan là-bas. Hein? Visa de Seredi, là, il y a beaucoup à Abidjan là-bas. José fait rien, ça. À plus forte raison, Samuel Eto'o. Mignon garçon. À Bogaïs. En plus d'avoir l'argent, il est mignon. Tata a dit non. Tata a dit non. Pas t'as pas payé ses mamans, Jean-Jacques, qu'elle a déjà refusé. Un gars, c'est respecté. Un gars, c'est respecté. Tu le jures, si tu le vois, André Gori, t'as gagné cassé graines. Mais aujourd'hui, là, les filles, là, elles, c'est le mimi à l'air, là. Quand Titan le voit, là, il est toujours au téléphone infâme. Il est toujours comme ça. Tu es mon cœur, tu es mon ange. En tout cas, si tu viens, faut rien faire les blanches là. Faut penser à moi. Il est toujours une femme au téléphone. Oui, parce qu'il joue en Suisse. C'est pas pareil chose que truc, hein. Voilà, un gars, c'est respecté. Vous les filles là, un gars, c'est respecté. Vous les filles là, un gars, c'est respecté. Oméga David là, s'il était footballeur là. Oméga David que vous voyez là, s'il était footballeur, il a déjà tout. Il a déjà tué même la case. Ah tiens, Oméga David, s'il était footballeur. Et vous nous asseoir sur les réseaux sociaux. Que moi là, c'est que Samuel est en train de faire à la femme là. Moi, il n'aime pas ça. Oh. Ah, Tisa, c'est pas elle était bête. Pas une Tisa qui vient te comporter comment. Une Tisa là, ça va les techniques. Un footballeur est venu draguer toi, ta soeur, donc a refusé. Et tout, il vient draguer ma soeur. Moi-même, là, il dit, mange, Georgette, là. Il n'a pas envie de dire des gros mots ici. Y a quoi? Y a quoi? Tout là, il a eu au Barcelone, là, en passant par Inter, jusqu'à aller là-bas. C'est le seul footballeur qui a eu 1 milliard dans l'année. Non, il était payé 1 milliard par mois. 1 milliard. C'est-à-dire que quand ta soeur finit d'être son tisa comme ça, là. Hein? La petite, tu ne peux plus l'attraper. Alors qu'elle va aller croupir à quelqu'un même là. Déjà même, il la donne rien. Il fait rien, mais de la manière, il baise. Garçon qui n'a rien. Garçon qui ne travaille pas, qui passe son temps à jouer dame. Garçon qui passe son temps à jouer loto. De la manière mougou. Demandez à vos soeurs là. De la manière mougou. Lui-même, quand il vient là,
En plus d'être un vrai mougousseux, il boit à tôté pour mettre dessus. Et quand il donne 1 000 fois comme ça, là, il veut que sueur qui coule sur son front, là, ça n'a qu'à être le sang. C'est des choses dont on est passé par là-bas, tiens. Mon frère, tu ne travailles pas, tu donnes 2 000 à la femme. Mais c'est que le jour où tu vas l'attraper, là, 2 000, là, il va te rembourser ça. En plus même, là, tu bois à tôté pour mettre dessus. Paye ton 2 000 doit quitter dans son corps. Tiens, ça là, la fille n'a qu'à refuser Tisa de ça. Que non, ça met le tout trompe sa femme. Ma chère, allez rentrer. Les maçons, ceux qui ramassent fer là, ceux qui font Samarakolo là, quand ils donnent l'aile à la femme là, demandez comment ils mougou les filles là pour donner. Anna Diarasuba, ça c'est mon cœur ça. C'est mon cœur. Elle est en train de mettre assez de cœur. Mettez assez de cœur, famille. Je ne sais pas pourquoi ça ne monte pas même. Mais les filles, elles n'aiment pas qu'on dise la vérité. Vous n'aimez pas ça. Si c'était Congo, ça serait venu. Ta. Montez, tiens. La vie, là, c'est ça. Vous êtes là, non. Moi, je ne peux pas faire ça. Je suis trop fan de lui. Je suis trop fan de lui. Mais il faut arrêter de te plaindre que ton coco sort. Oui. Le gars, mais il te mougou, mais c'est même pas. Il venait de mourir même là. Tu le vois. Au lieu de t'envoyer à la pharmacie quand tu as mal, hein, il chauffe l'eau. Il a fini de mourir, tout ton bas te brûle, non? Au lieu de t'envoyer à la pharmacie, lui chauffe l'eau, mon frère. Il te dit, bon, faut t'asseoir sur l'eau là. Jésus. C'est vous venez vous asseoir sur les réseaux sociaux pour dire que Samuel Eto'o n'est pas bien. Regardez ceux avec qui vous vivez là. Il te considère même pas. Il te calcule même pas. Il te regarde même pas. Ah, un feuille même pour mettre dessus. Tiens, garçon qui mourent mal. Quand ils voient que sa femme, là, son bal a fait mal, là, ils ont fini à aller payer indigénat. Ils n'aiment pas rentrer dans la pharmacie. Hein. Indigénat, tiens. Quand tu es malade, on peut indigène, t'as venu parler de Georgette et tout, s'est fait tromper. Attendez, elle va pleurer aussi. Quand elle va, le jour, elle pleure là. Le jour, Georgette pleure là. Hein? On peut venir compatir pour elle. Jusqu'à elle là. La maman n'a rien à foutre. Oui, si elle est ouverte, elle n'a qu'à avoir 10 000 go. Du moment qu'elle est certifiée. Là. Tiens. Vous-même là. Il n'y a pas de. Hey, vous-même, on fait enfant à vous. On fait enfant avec vous jusqu'à vous dormir. C'est matin, quand vous vous réveillez, vous apprenez que le gars s'est marié. C'est-à-dire que tu as un enfant avec lui. Tu as 2 enfants avec lui. 3 enfants. 4 enfants. 5 enfants. Tu t'es endormi. Matin, tu te réveilles, tu vois sur Facebook, le gars, il est marié. C'est-à-dire que pendant toute cette vie que tu as menée avec lui, là, tu n'étais pas titulaire. Hein? Toi, tu faisais enfant, tu pensais que toi, tu étais dans le foyer. Non, mais. Tu faisais enfant, là, tu pensais que tu étais dans le foyer. Matin, tu réveilles sur Facebook, tu entends, bim. Les gars, c'est marié. Toi, ton cas, est toi, Georgette et tout, on n'a qu'à traiter ça comme. Et puis, si tu avais appelé même pour dire que non, ah bébé, je me suis marié, ça peut être bien. Non, il t'appelle pas, hein. C'est sur Facebook, tu apprends. Et puis, tu vois les photos.
Toi, ton cas est Georgette Tau là. C'est qui doit même, c'est qui on doit traiter même. Bonne vie, tchè. C'est maintenant où vous venez. Vous aimez trop ça aussi. Donc, franchement, nous les pauvres, concentrons-nous sur nos vies, non? Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est pas parce que les réseaux sociaux nous ont donné la force de parler que on peut parler comme on veut. Est-ce que vous voyez? On vient de parler là, sachant quoi dire. Ah, même l'enfant des taux, même qui est là, là. Mais dans ses 18 ans, là, qui est petit, qui est footballeur, elle est là. Petit là, même là, il craint pour lui. Et son kiki là, même là, les filles là vont prendre pour faire chaîne ici. Si c'est l'enfant des taux, c'est que forcément il a l'argent. C'est comme ça qu'on calculait. Hein. Si c'est l'enfant des taux, forcément il a l'argent, c'est sûr. Donc imagine lui-même son l'un des ballons, plus l'un de son papa. C'est-à-dire qu'il devient la belle-fille des taux. Elles vont toutes, elles vont partir tenter les chances. Ah, t'es là, on t'est fait enfant, bim, 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 bim. Tu te réveilles matin sur Facebook, bim, le gars, il est marié. T'as envie de t'asseoir pour dire non, okay, et tout. Pourquoi tu trompes ta femme? Tu es mauvais et tout. Et oui, il est mauvais, et toi? Et toi? Toi, ta vie là, c'est Zinoa. Ta vie là. Ta vie est mélangée. Et qui va rentrer dans le foyer où il y a équipe de football? En tout cas, ce n'est pas nous, génération Mouroupan. Génération Mouroupan, allez là. Nous, on va rentrer dans le foyer où il y a équipe de football. Nous. Nous, c'est mal nous connaître. Génération Mouroupan. On va rentrer dans un foyer où il y a déjà équipe de football. Ma chère, moi, je ne suis pas entraîneur. Oui. C'est quand tu es entraîneur, là, on peut te confier beaucoup d'enfants et puis tu vas les gérer. Sinon, génération Mouroupan, on n'est pas des entraîneurs. Oui. Voilà. C'est fort. C'est fort. Hein. Je voulais juste, c'est fort. Ça me dépasse. Ça me dépasse, hein, je vous le jure, ça me dépasse. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'était juste une petite vidéo pour vous dire que, franchement, faites très très attention à vous. Le Covid, là, ça existe vraiment. C'est pas du jeu. Ce que les médias montrent, là, c'est faux. Ce que les médias montrent, là, famille, c'est faux. Ce que j'ai vu aujourd'hui de mes deux yeux. Ce que j'ai vu de mes deux yeux. Et ce que j'entends à la télé, là, c'est deux choses différentes. C'est faux. Hein? Maintenant, là, c'est même pas les vieux même. Les vieux, là. Maintenant, ça commence des jeunes de 25 ans à 30 ans. Si vous les voyez à l'hôpital, vous allez halluciner. Je vous le jure. Les jeunes de 25 ans à 30 ans, si vous les voyez à l'hôpital, vous allez halluciner. Vous allez devenir dingue. Les vieux même sont plus là-bas. C'est les jeunes maintenant. Ce n'est pas du jeu, hein, les gens. Protégez-vous. Hein. Les gens meurent. Mais ça meurt en silence maintenant. Parce qu'ils ont plus, ils ont peur de. Ils ne veulent pas faire, ils veulent pas que les gens aient peur. Donc ça meurt en silence. Si vous avez le temps, allez-y visiter les hôpitaux là. Vous allez voir ce qui se passe dans les histoires de Covid là. C'est pas du jeu, hein, famille. On ensemble, c'était Lenny Baker. Maintenant, Titine Diarasouba, si tu veux faire ta publicité, tu m'envoies, tu laisses un commentaire là. Et puis on te prend, tu vas parler. Tu laisses un commentaire, je vais te prendre. Et y a une dame qui m'a appelé aussi, qui m'a dit que ah, j'ai envie de faire la publicité de mon endroit où je travaille et tout. Est-ce que tu peux le faire pour moi? Madame, je vais t'appeler après. On ne sait jamais. Non, famille, je vous dis la vérité. Hein. Corona, là, c'est pas du jeu. Hein.
C'est pas un musulman. C'est pas un musulman du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Du tout. C'est pas un musulman. Si vous êtes malin, si vous êtes maligne, protégez-vous, mettez vos masques H24. Et voilà. C'est pas tout, on dit ça, pour ça. Titi, il ne faut pas m'écrire sur ça, là. Faut m'écrire sur ta page normale. Comme ça, je pourrais te prendre. Parce que ça, là, je peux pas te prendre. Ça, c'est une page. Faut m'écrire sur ton nom normal. Titi Ndiarasuba, là. Voilà. C'est pas du jeu, hein, famille. Vous allez aller voir les enfants à l'hôpital. Ils sont couchés comme ça. Ils ont tous Corona. Je vous parle de plus de 200 personnes. Et c'est le bordel. Ils sont couchés. Plus de 200 personnes. Ah oh. Moi, j'ai dit, tout qu'on fait, moi, je suis dans la maison pendant une semaine et je ne sors pas. Parce que je suis un cas contact. Pendant une semaine dans la maison, je ne dois pas sortir. Mieux vaut prévenir que guérir. Mais pourquoi tu m'envoies un message sur ça, là? Il dit ton nom, Titine Diarasuba, là. Il n'y a pas d'ici Titine Loli ou je ne sais pas. Tu m'envoies. Bon, ok. Je pense que tu n'es pas encore prête parce que d'habitude, ce n'est pas sur ça que tu m'envoies. Voilà. Donc, du coup, famille, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, comme je le dis, faites attention à vous. Voilà. Et puis, on ensemble, c'était l'unique Baker. Tu as la langue d'un Canadien. Tu as la langue d'un Canadien. Merci. Ah, moi, j'aime pas parler. Moi, j'aime pas les langues des. S'il y a ça seulement là. Je parle la langue d'un Canadien. Il ne faut pas mêler mon projet ici. On est ensemble. Ciao, ciao. Que je vous aime. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo.